Les médias ne l'ont pas couvert. Il y en a une tonne. J'ai un compendium sur americasfrontlinedoctors.com. Il y a un compendium de toutes les études qui fonctionnent avec l'hydroxychloroquine. Le taux de mortalité a été publié à Détroit. C'était le week-end du 4 juillet, ils l'ont publié. La mortalité de la moitié des patients gravement malades, les patients qui l'attrapent tôt, on estime que la moitié à trois quarts de ces patients ne seraient pas morts. Nous parlons de 70 000 à 100 000 patients seraient encore en vie si nous suivions cette politique.